para ponerte en histórica altura. Promovieron tu bravura al mundo entero con tu muerte. Aquí se quedó tu cara en camisetas y postales. No dicen todas las verdades del chacal de la cabaña. Tan fuerte que sobre la historia dispara desde un momento en Santa Clara donde el poder te sedujo. Ahora de moda está tu cara en camisetas y postales, pero no dicen todas las verdades del chacal de la cabaña. Que se cansó de la mentira cuando él te dijo que se iba con una 32. Usted lo silenció. Aquí de moda sigue tu cara, y aunque limpies la camisa hasta la entraña, no lava la sangre en las manos del chacal de la cabaña. Bienvenue à un nouvel épisode de Crypto Mercy. Je voulais faire un tour d'horizon avec vous pour le e-gold, pour le GLD, dans le fond, comparativement au dollar américain. Je vais commencer tout de suite sur la charte de deux semaines, dans le fond, two weekly chart. Présentement, on a la two weekly qui termine dans un jour et quatre heures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, on avait un double top de confirmé sur la dernière chandelle avec pas de nouveau plus bas, pas de nouveau plus haut. Donc, c'est sûr que le double top nous a amené dans les abysses à 89. Est-ce qu'on confirmerait dans un jour et quatre heures un double bottom avec un nouveau plus haut? Mais présentement, on a un nouveau plus haut de confirmé. Et on a également un double bottom en formation sans nouveau plus bas. Donc, il peut s'en passer beaucoup de choses en un jour, mais quand même, on a quelque chose qui se dessine là, sur la deux semaines qui commence à être intéressant. Si on va voir la daily chart ici, la dernière confirmation nous confirme dans le fond, une continuité à la baisse. On a eu vraiment une chandelle qui était bearish, qui a confirmé un plus bas, sans nouveau plus haut. Donc, ici, je suis désolé. Ici, on a une spinning top en formation qui pourrait confirmer la fin de la descente avec un double bottom. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, là, on a vraiment les corps à égalité, donc... il faut savoir là, que dans 3 heures et 23 minutes, si on ne descend pas plus bas là, que 140 et 60, et qu'on termine en spinning top, en formation comme ça, c'est bien. C'est bien, on aurait quelque chose potentiellement de bullish, là, du moins qui confirmerait un renversement de la tendance à court terme.
Donc, ici, on va aller voir parce que tantôt, je vous montrais Front dans l'épisode précédent qui peut-être commençait une nouvelle montée dans sa baie. Ben, c'est peut-être la même situation ici pour l'Eagle. Hein. On voit la A qui est descendue vraiment en zigzag. Et puis, on aurait le haut de la baie qui est ici et on continuerait à venir chercher peut-être plus bas la C. Bon, c'est jamais, officiel là, tant que c'est pas réalisé. Mais c'est quelque chose qui reste toujours possible, qu'il faut garder en tête dans le fond. Si on veut aller voir le retracement qui a été fait ici présentement, on va déposer notre Fibonacci. On est venu chercher les 0.5 de Fibonacci dans ce qui est potentiellement une nouvelle vague 1. Donc on pourrait voir la C arrêtée sur la Golden ici, qui serait en fin de compte la confirmation de la deuxième vague avant une série de 5 nouvelles impulsives. Il y a toujours, comme je disais, des confirmations qui restent à entrevoir. Si on regarde sur la monthly chart, on a eu notre long shooting star ici qui était finalement pas très très positive dans le sens où shooting star c'est jamais positif parce que là on voit là, toute cette zone là ici là, c'est vraiment une zone de résistance. Hein. Il faut comprendre là, que si ça s'est fait manger comme ça tout rond, c'est désolé pour ça. Si ça s'est fait manger ici tout rond, c'est que les gens ont vendu, ont vendu, ont vendu. Et on a commencé à avoir du support ici. Ici, on a senti du support qui revient. On a encore de la résistance. Là. Est-ce qu'on s'enligne pour faire un autre shooting star dans 18 jours? C'est trop tôt. Mais présentement, beaucoup de résistance pour le GLD. On a des zones de support à déterminer. Bon, si jamais on descend plus bas, où est-ce qu'on pourrait descendre? Donc, c'est certain là, qu'on pourrait aller voir sur la daily chart pour avoir une meilleure vue. On a ça ici qui est les 76. On a ça qui reste possible, les 44. Et cette zone-là ici, les 30$. Donc, on voit là ici le support qui est là, assez fort ici, je vous dirais. Là, que on a vu une zone de consolidation ici. Bon, si on veut déterminer, voir si ceci était vraiment une 2 ou une 4, ce qui n'est pas toujours facile à faire dans le sens où on a quelque chose qui s'est produit assez rapidement. Les 4 sont parfois très très longues. J'aurais tendance à dire qu'on est dans une 4, mais c'est possible que si on retrace vraiment plus bas, qu'on soit dans une 2. Donc, on verrait quelque chose qui pourrait faire ceci. On aurait une A, c'est une B qui est potentiellement... Je pense que mon plus haut est ici. On n'a pas fait de nouveau plus haut encore. On aurait une C qui est là. Est-ce que ce serait la fin? Ou on se lance dans une A, B, C, D, E, ce qui pourrait être possible. Une zone de consolidation qui est un peu plus longue pour une quatrième vague. À première vue comme ça, je vous dirais que c'est, selon moi, une vague 4. Sauf que je considérerais peut-être l'option d'une vague 2 aussi. On va aller voir sur la 15 minutes, là, si on se rapproche vraiment. 30 minutes, est-ce qu'on voit mieux? On voit qu'il y a un retracement ici. Est-ce que ça, c'était vraiment la 5? Pour ça, on va aller voir les divergences sur le RSI. Souvent, on va déceler des divergences en voyant un plus... on va déceler des divergences en voyant vraiment un RSI qui va faire le mouvement inverse du cours. Donc, ici, on n'a pas vraiment vu sur la daily de divergence. On a vraiment monté. Donc, moi, personnellement, là, ce que je vois ici, là, c'est que c'est vraiment une vague...
C'est vraiment une vague 3. Donc, pas de divergence. On va aller vérifier. Des fois, on peut se tromper. Bon, absolument, on n'a pas eu de divergence ici au top. Donc, beaucoup de chances qu'on ait une cinquième vague, ce qui pourrait surprendre bien des gens éventuellement. Une zone, comme j'explique, les vagues 4 qui sont potentiellement plus longues, des zones de consolidation plus difficiles. Ici, on pourrait voir un pattern comme ça. Je vous montre. En A, B, C, D, E, on aurait potentiellement ça comme ça ici. Donc, c'est assez difficile de prédire à l'avance, mais c'est une possibilité qu'on peut avoir encore. Donc, on aurait une A, B, C pour chacune. Donc, j'imagine que vous comprenez un petit peu la structure là, d'une ABCDE. Vous devez peut-être prendre plus d'informations à ce niveau-là, mais les ABCDE sont toujours créés par des inter-ABCD. Donc, on a une A, B, C. Et puis, on va descendre de la même manière en A, B, C. A, B, C. Donc, c'est vraiment... quelque chose ici là, qu'on pourrait surveiller, une longue zone de consolidation. Bon, si on va voir sur la charte de 4 heures, les confirmations vraiment, vraiment à court terme, là, on a une chandelle qui va fermer dans 3h16 minutes, qui n'a pas fait de plus bas et qui semble vouloir peut-être fermer au-dessus. Reste à voir. Je ne sais pas, je ne peux pas garantir qu'on va nécessairement faire un plus haut ici. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait entrevoir là, éventuellement. Il reste 3 heures et souvent on peut voir des pompes qui sont effectuées assez rapidement à la dernière minute. Donc sur la daily, on a la formation, comme je disais, potentielle d'un double bottom avec un plus bas. Et on n'a pas de plus haut encore. On peut toujours se faire surprendre. J'aime beaucoup mieux voir des doubles bottoms vraiment avec une de ce type, mais sans plus bas. Donc, faut toujours rester vigilant dans ces cas-là. Est-ce qu'on peut vraiment trouver une situation ici où est-ce qu'on a eu un double bottom? Ici, on a eu un double bottom, comme vous voyez, avec un plus bas, mais on avait un plus haut. Donc, le plus haut est significatif. Pourrais-tu aller vous chercher un exemple d'un double bottom avec un plus bas? On va aller voir ça ici. Donc, ici, on a un autre exemple avec un double bottom, un méchant plus bas, mais un petit plus haut. Donc, ici, on avait vraiment une zone là, d'incertitude, donc souvent d'accumulation. On va aller voir ici. Donc, ici, une vraie confirmation d'un double bottom avec pas de nouveau plus bas, mais avec un nouveau plus haut. Donc, notre confirmation qu'on monte. Même chose ici. Hein, on a un double bottom sans nouveau plus bas. On n'a pas nécessairement de nouveau plus haut, mais on a une fermeture qui est nettement à la hausse comparativement à l'ouverture. Donc, un autre exemple que je pourrais aller chercher, où est-ce qu'on a vraiment... on va aller fouiller dans la charte d'El Run. Ici, on avait un nouveau plus bas, mais un nouveau plus haut qui est assez significatif. Ici, on avait un double bottom, sans nouveau plus bas, pas de nouveau plus haut, mais on avait quand même une fermeture du cours qui était au-dessus nettement de l'ouverture de la chandelle. Donc, même chose ici, même chose, double bottom avec un plus bas, méchant plus bas, ouais, mais avec un plus haut significatif, donc on a fermé en force. Donc, il faut toujours utiliser sa logique par rapport à ça. Hein. Les fermetures sont importantes.
sont significatives et les plus beaux, les plus hauts et les plus bas aussi. Donc, on va aller voir sur la 3 jours. Qu'est-ce que Elrond nous dit? Donc, j'ai essayé d'augmenter la qualité de diffusion. Vous pourrez me laisser vos commentaires par rapport à ça. Donc, j'espère que vous voyez un petit peu mieux parce que je regardais mes dernières publications puis les vidéos semblent un peu floues. Donc, j'essaie de corriger ça. Bon, donc, ici, sur la 3 jours, on a une situation bearish. Donc, on voit un double top. On n'a pas de nouveau plus haut, mais on a nettement un nouveau plus bas. Et là, la situation bearish, en parenthèse, c'est dû au fait qu'on commence à être en bas de beaucoup de l'ouverture. Donc, on a eu une ouverture qui était ici. On est déjà rendu là. Donc, on a perdu 7$ sur le cours. On a fait un nouveau plus bas. Ça a été racheté. On sent ici qu'il y a un certain support. Mais on n'a pas fait de nouveau plus haut, donc c'est quelque chose. Ici, c'est la game des market makers, on la voit vraiment. On a un double top directement bloqué par un double bottom directement bloqué par un double top. Là, on confirmerait peut-être dans 3h et 11 minutes un nouveau double top encore. Donc on le sent ici là, qu'il y a peut-être là. On commence à être loin là, à 7$. Il nous reste 3 heures, on va voir, mais c'est peut-être pas très positif pour l'instant. On va aller voir sur la 1 heure. On a souvent des indications assez claires sur la 1 heure pour les gens qui désirent faire des swings, mais qui suivent la partie là, de très près. On voit vraiment ici. Un double top qui s'est effectué, mais qui était un peu trompeur. Mais dites-vous qu'on avait fait un nouveau plus haut ici, mais on a quand même fermé la chandelle en dessous du cours d'ouverture. Mais on n'avait pas fait de plus bas. Donc il y avait une certaine incertitude ici. Là, souvent on appelle ça une spinning top ici. Le corps n'est pas central, il est plus bas. Au milieu, donc je m'excuse, je vous reviens dans 2 secondes. Bon, désolé, donc ici on où j'en étais sur cette spinning top là ici, donc on a un double top qui est confirmé avec une spinning top avec une fermeture baissière en bas du cours d'ouverture. Donc, c'est pas bullish. Là. Ici, on a fait un nouveau plus bas. On n'a pas fait de nouveau plus haut. Une fermeture encore plus basse. Bon, là, on a descendu pas mal. Si on vient confirmer, dans 9 minutes, une spinning top. On va peut-être avoir la chance de le vivre ensemble. J'ai une question ici. Je vais essayer de me... Je suis québécois, oui. Donc, si on a une confirmation d'un spinning top avec une fermeture qui est à la hausse, donc plus hausse qu'à l'ouverture, on aura la confirmation d'un changement de direction. Donc, sur la 1 heure, là, ici, on va avoir l'information. Mais comme je vous dis, des swings sur la 1 heure, c'est toujours risqué quand même. Mieux de jouer sur des grandes time frames pour éviter là, justement là, les retournements agressifs subis. Présentement, on voit qu'il y a beaucoup de résistance. Et il y a quand même du support. Là. On a du support, là, je vous dirais, là, dans ces eaux-là. Là, sur la 1 heure, c'est assez clair qu'on a du support à ce niveau. Donc, il y a beaucoup de volume, de liquidité qui est disponible entre 141 et 142$. Allons voir sur peut-être la 4 heures. On va revenir là-dessus.
sur la 4 heures. Ici, on voit un nouveau plus bas. Donc, spinning top en formation, comme je vous disais. À suivre, pas de nouveau plus haut, mais on n'a pas de nouveau plus bas. Donc, on est dans un moment d'indécision là, pour les gold présentement. On est vraiment dans l'indécision sur la 4 heures. Cette indécision-là se confirme telle sur la charte journalière. Donc, sur la charte journalière, on a un nouveau plus bas pour la chandelle en formation. On a un double bottom et on n'a pas de nouveau plus haut. Donc, sensiblement, je vous dirais plutôt de bonne augure dans le sens où on viendrait confirmer, si on ne descend pas en bas de 140,60$, on viendrait confirmer un double bottom et une spinning top qui est une chandelle de renversement. On n'a pas de nouveau plus haut, donc on pourrait s'attendre à avoir une petite montée là, après cette fermeture de chandelle, mais qui pourrait être... se revirer. Là. Je pense qu'on est plutôt dans une zone d'accumulation ou de consolidation présentement pour Elrond. Et ici, on a vraiment un double top qui est clair, qui est assez significatif, donc qui appelle à une descente. Et tant qu'on n'a pas de double bottom, ici, peut-être que des gens auraient pu penser qu'on avait un double bottom, mais on avait vraiment un plus bas et on est plus dans la continuité. On est loin, on est vraiment loin du plus haut. Il faut donc faire des déductions et je vous dirais que se servir de sa logique, c'est pas toujours facile dans ces conditions-là, mais la lecture de chandelle, je vous dirais, à long terme, est davantage plus facile. Pour les gens qui désirent investir à long terme. Donc, à long terme, ici, on avait des confirmations pour Elrond d'embarquer dans le marché avec cette suite de double bottom vraiment impressionnante. Donc, on a commencé à voir notre plus haut ici. On n'avait pas de nouveau plus bas. Donc, après ça, là, ça s'est mis vraiment à pomper en force. On le voit clairement. Donc, on a une belle petite vague 1 ici. Et le bas de notre 2 qui est là. On a le haut de notre 3 qui est clair au niveau des vagues Elliott. Avec un double top et on a confirmé avec un shooting star. Vraiment, là, on est sur la weekly. C'est assez significatif. Là, on a vraiment un changement de direction qui est clair. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on a un double top qui est fort, fort ici, à 154. Donc, les corps qui ferment à cette hauteur. Ici, on a un double bottom qui vient renverser cette décision avec un nouveau plus haut. Fait que dans le fond, on a un double bottom ici qui vient nous dire, là, on retourne au bord, on change de côté. Et est-ce que là, on va fermer... cette prochaine chandelle dans un jour et quatre heures avec un double top? Écoutez, c'est possible, mais pour l'instant, on n'a pas fait de nouveau plus bas et on a un nouveau plus haut, donc j'aurais plutôt tendance à dire que les market makers vont essayer de fermer le cours plus haut qu'à l'ouverture. Donc, je m'attendrais là, à ce que les market makers poussent au-dessus de 146$ là, la fermeture de la chandelle. Donc, si c'est quelque chose qui se confirme et qu'on pousse la fermeture au-delà de 146$, c'est très positif pour Elrond puisqu'on n'aurait pas de nouveau plus bas et on aurait un nouveau plus haut avec une fermeture verte qui nous donne l'indication que le cours a fermé au-dessus de l'ouverture. Donc, quelque chose à suivre sur la weekly qui est très, très importante. Dans un jour, donc la fermeture de la weekly, de la chandelle de la weekly. Présentement, sur la charte, la time frame des deux semaines, on a
potentiellement un double bottom aussi qui va se confirmer dans un jour et quatre heures. Donc, demain, une journée très, très, très importante pour Elrond. C'est quelque chose qu'on va suivre de près. Je vais peut-être essayer de faire une nouvelle analyse aussi, à savoir quelle fermeture on va avoir eue. Ça s'annonce pour probablement être un double bottom ici sur la deux semaines, donc avec un nouveau plus haut. Oui, on a de la résistance ici, mais on n'a pas de nouveau plus bas, donc on aurait une confirmation là, qu'on pourrait peut-être là, venir retester les 154. Là, donc on va aller positionner aussi notre moving average. No moving average, désolé. Sur la daily. Donc, on peut voir la résistance entre 146$ et 148$. Résistance qui est là. On a un bon positionnement, par contre, du MA7 et du moving average 9. Les rubans sont dans les moving average sont dans le bon sens. On n'aime jamais voir le moving average 9 par-dessus le moving average 7. Et puis, on a le moving average 21 qui est ici à 136,92. Donc, un support dynamique qui est assez fort, merci. Et puis, on a notre moving average 50 ici qui continue sa montée. Donc, moving average 50 qui est déjà rendu à 119. C'est quelque chose, si le Bitcoin décide de descendre, c'est quelque chose qu'on pourrait vouloir tester. Je crois que le Bollinger Band, le bas du Bollinger Band est dans ces eaux aussi. On va aller voir. Donc, le bas du Bollinger Band à 111. On a notre moving average qui est à 119,73, le moving average 50. On a une chandelle ici sur la daily qui nous donnerait peut-être l'indication d'un double bottom ici, comme on peut voir. Donc, avec un nouveau plus bas par contre, mais c'est un double bottom qui serait confirmé. Donc, on est un peu pris, je vous dirais, entre le moving average 7,9 de la daily et le moving average 21 pour l'instant. Lorsqu'on aura peut-être soit dépassé le moving average 7 et 9, on aura notre confirmation qu'on va pousser encore le cours vers la hausse. Et si on descend en bas du moving average 21, on va vraiment avoir notre confirmation qu'on veut pousser le cours à la baisse et tester le bas du Bollinger Band ici, probablement avec une wick et le moving average 50. Donc, on va aller voir sur la weekly chart les moving average et le Bollinger Band. Donc, ici, on est vraiment dans le haut du Bollinger Band, la weekly. On a notre moving average 21 qui est en vert ici à 58,95. Donc, beaucoup de résistance dans le haut du Bollinger Band, mais c'est quelque chose qu'on peut toujours pousser vers la hausse, mais je vous dirais que ça devient difficile à un moment donné. C'est davantage plus facile lorsqu'on passe au-dessus du Bollinger Band. Donc, si vous voyez une pompe éventuellement qui dépasse les 171,83, tout ça, puis on se ramasse ici, puis qu'en plus, éventuellement, on vient fermer une chandelle par-dessus, là, on va vraiment avoir notre confirmation qu'on est parti là, pour la planète Mars. Donc, même chose, si on regarde la gravité du Bollinger Band ici, le VWAP est à 142, c'est-à-dire qu'on est présentement en dessous du VWAP, ce qui est plutôt positif. Quand on descend en bas du VWAP, je vous dirais que c'est plus difficile, là, il vient agir comme résistance, là, on est en dessous, ce qui est bon. On a ce support-là qui est présent. On n'a pas, sur la 4 heures, est-ce qu'on a des divergences bullish? Pas encore. Donc, EMA Ribbon, présentement, qui nous fait de la résistance. Donc, on est vraiment sur la 4 heures entre le VWAP, qui est support, et le EMA Ribbon qui vient nous faire une résistance là, dans,
où sont positionnés le moving average 7 et 9. Donc, c'est vraiment... on va souvent voir un cours qui stagne dans ce temps-là. Ça peut paraître plutôt long, mais il faut être patient. Donc, sur la daily, je crois qu'on a le l'IMA Ribbon qui est en support. On commence à le voir le compresser tranquillement. C'est beaucoup plus positif que lorsqu'on a un IMA Ribbon qui est étendu comme ça. On va avoir un effet de trampoline qui est beaucoup plus fort avec un IMA Ribbon compressé. Donc, c'est pas mal ça. Garder potentiellement avec le Bollinger Band, on va aller voir la gravité. Donc, la gravité du Bollinger Band ici qui est en train de changer. On voit ici une gravité qui était descendante. Là, on a une gravité qui est montante, qui est positive là, sur la 4 heures. Donc, on a toujours des plus bas qui sont plus hauts. Même ici, on n'a pas fait un nouveau plus bas. Et on a toujours des plus hauts qui sont toujours de plus en plus hauts. On les voit clairement. Donc, on a un nouveau plus haut ici. Un nouveau plus haut ici. On a un nouveau plus haut ici. Donc, on est dans un trend haussier. Ça paraît pas, mais on est quand même toujours dans un trend haussier pour Elrond présentement à court terme. Est-ce qu'on vient renverser cette tendance-là ici présentement? Quelque chose qu'on va falloir surveiller. On semble vouloir peut-être sortir d'un channel ou changer peut-être la direction du channel ascendant. On va aller vérifier ça ensemble. On avait un channel au départ qui était plus... toujours bien d'aller tracer des channels sur la daily chart là, et de pogner le plus de wick possible. Donc, on va aller voir ce que ça dit ici. Bon, à peu près comme ça. Et bon, on peut aller chercher jusque-là. Donc, ici, on voit qu'on est sorti du channel haussier. Est-ce qu'on est en train de créer un nouveau channel baissier? Quelque chose qui est peut-être à envisager. On change, on semble peut-être vouloir là, sur la daily changer la direction. On a testé le bas du plancher. Donc, il est possible qu'on continue à descendre ici. Là. Mais encore là, comme je vous dis, on a un double bottom ici. Donc, quelque chose qui pourrait se passer, continuer à descendre tranquillement pour aller confirmer le bas de la 2 ici ou la C, la vague C. Qu'est-ce que je pourrais avancer d'autre? Pas toujours évident de faire des lives, mais on va aller se situer dans une charte qui est... en logarithmique, il va nous donner un petit peu plus de... comment je pourrais dire, un effet de grandeur sur le cours, où est-ce qu'il en est. Donc, on peut voir ici qu'on a frappé le channel haussier sur la weekly. Donc, assez clair ici qu'on pourrait venir retester... la ligne médiane. Donc, si on tomberait aujourd'hui, on pourrait descendre à 84-85. Mais, serait peut-être possible, je vous dirais, là, de venir chercher le ME 50 ou le bas du Bollinger Band au 112-113. Ce serait peut-être du moins le premier test qu'on va faire si on descend. Il faut savoir là, que...
c'est peut-être le début d'une descente, oui, mais ici, on a dans cette vague 4, là, peut-être la possibilité aussi d'avoir un triangle qui pourrait se former. Donc, on aurait un bull flag, qu'on appelle. Donc, ça peut être fait comme ça ici. Ça pourrait être un bull flag. Donc, toujours la possibilité là, de voir une espèce de fermeture là, au-dessus du plafond qui nous ferait justement, ce qui nous permettrait peut-être de retester là, le plafond du channel. On l'a vu ici, hein, on a eu un bull flag, mais on a été stoppé par le haut du channel, donc du canal. Donc, très possible qu'on puisse le retester et en faisant un plus haut, mais aussi possible qu'on vienne retester la médiane. Donc, si je regarde sur la weekly, là, au niveau de la lecture des chandelles, notre dernière chandelle qui a fermé était bullish, qui était très positive. Donc, pas de nouveau plus bas avec un nouveau plus haut et un double bottom. Donc, c'était positif. Est-ce qu'on va stagner ici avec un double top? C'est pour ça que je vous dis, là, dans voir plus de détails sur la direction d'Elrond dans un jour et trois heures à la fermeture de la weekly chart. Donc, une charte, un time frame à surveiller pour Elrond qui est très, très, très importante ici parce qu'on pourrait venir confirmer vraiment. On voit notre falling wedge ici, là, le falling wedge qui est un pattern qui est bullish. Donc, mais toujours confirmé par la fermeture, un retest du plafond et une fermeture de chandelle au-dessus du plafond. Donc, c'est ce qui est en train de se produire ici. Donc, beaucoup d'incertitudes présentement pour le cours d'Elrond. Je vous dirais que c'est une zone d'accumulation, peut-être de consolidation dans une vague 4. Toujours, toujours difficile. Dans le fond, il y a peut-être d'autres projets présentement qui sont plus intéressants à trader. Mais si vous êtes une personne qui stack ou dans la waiting list dans le portefeuille de Elrond, toujours important d'en accumuler là, lorsqu'on a des baisses, d'en acheter le plus possible. Quand même un beau projet, un très beau projet. Donc, je vais tenter de vous faire un suivi sur le JLD demain après la fermeture de la chandelle, si j'en ai l'occasion. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine. N'hésitez pas, si vous avez des projets que vous aimeriez qu'on analyse ensemble, ça va me faire plaisir de le faire. Laissez des commentaires. Donc, je vais tenter de répondre à tous les commentaires. Et sur ça, merci de me suivre, Crypto Mercy. N'hésitez pas à cliquer sur le petit thumbs up, à cliquer sur la cloche aussi. Et bon week-end à tous. Au revoir.